Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous faire mes indispensables de l'été. Parce que voilà, on est en été et donc je pars bientôt en vacances. Mais bon, ça n'a un peu rien à voir avec cette vidéo là. Mais je voulais juste vous montrer quelques indispensables pour moi que j'ai. Et vous les reverrez en fait pour. Donc à une prochaine vidéo, je vous dirai à la fin, donc je reviendrai à la fin pour vous parler donc, de mes vidéos à venir. Donc voilà, je pense que vous en doutez un petit peu, donc je vous en parlerai vraiment à la fin. Donc voilà, c'est vraiment quelques-uns, je ne vais pas vraiment tout vous montrer parce que justement, l'une des prochaines vidéos qui arrive, je vous montrerai vraiment tout ce que je prends. Et je pense que voilà, enfin bref, je ne veux plus rien dire. Alors cette vidéo n'est vraiment pas du tout préparée, c'est voilà. Voilà, on commence tout de suite. Juste, je précise, si la luminosité est un peu, enfin, voilà, on voit un peu briller ou je sais pas trop quoi, on voit un peu la lumière jaune, je sais pas comment. C'est simplement en fait, j'ai mis une lampe derrière pour qu'on voit parce que sinon, là, le soleil n'est plus là. Donc voilà, il fait presque nuit, donc je vais vous montrer. Il est genre 21h, donc voilà. C'est... Non, je préfère mieux comme ça. Je sais pas, j'ai voulu essayer, donc... Voilà, dites-moi si ça va encore, la luminosité, parce que voilà, je pense que c'est mieux que... Voilà. Enfin bref, faut que j'arrête de blablater, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par les vernis. Je vais pas vous montrer tous mes vernis, mais les vraiment, pour moi, les indispensables... Pas du tout que je les oublie, c'est ces 5 vernis, donc ils viennent de chez Kiko. C'est vraiment mes chouchous de chez Kiko, j'adore les vernis Kiko, c'est un truc de ouf. Donc voilà, on va commencer vraiment par cette couleur là. Donc on va pas du tout voir en fait la couleur, enfin, en fait si on la voit mais pas vraiment, enfin on voit plus un bleu. Enfin bref, j'essaierai de vous faire des photos sur ma page Facebook. Donc je posterai cette photo là et je vous ferai après les swatchs. J'essaierai un minimum de faire les swatchs. Donc je sais pas trop, non là on voit pas trop. En fait c'est un vert, montrer ça. Non mais là on voit un gris, c'est bizarre. Laisse tomber. Laissez tomber. Donc en fait c'est un vert menthe foncé. Alors on peut dire que donc c'est, si vous l'avez ou au pire allez voir sur le site le avant que je passe. Donc voilà, enfin bref. C'est la teinte 343 de chez Kiko et en fait c'est un vert menthe foncé magnifique. Ça paraît un peu pour Noël et tout mais pas du tout. Quand on est bronzé vraiment c'est la couleur parfaite, le vert foncé parfait quoi. Et je l'adore, voilà. Ensuite, je sais pas parler de couleur. Ensuite, celle-ci, je pense qu'on la voit. Ça va, on la voit. Non, pas trop. C'est un corail pastel magnifique, donc c'est celui que je porte sur les ongles. Je vais essayer de détendre. Ouais, ça va, vous voyez. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça la couleur. Ça va. Là. Bon, voilà. Et c'est une couleur trop, trop belle. Et je l'adore. Là, je pense que ouais, vous voyez bien la couleur. Voilà, je suis contente. En fait, c'est la couleur à peu près de mon haut que je porte. Donc, voilà. Et 359, voilà. La couleur qui est juste avant, c'est celle-ci. Donc ça, c'est vraiment un corail saumon. C'est le corail saumon parfait. Voilà, je ferai toujours des swatchs. Donc c'est la teinte 358, voilà. Oh là là, mais quelle... Aussi, c'est... Je préfère mieux faire comme ça parce que sinon, elle va baisser d'un coup la luminosité. Donc voilà. Ensuite... Voilà, la couleur qu'on parle toujours sur YouTube ou n'importe, c'est vraiment une couleur que j'adore. Là, on voit, je crois qu'on voit parfaitement la couleur. Là, je suis contente, on voit vraiment la couleur. C'est un bleu turquoise magnifique. Et là, je suis trop contente, on voit la couleur, pardon. Ça peut... Voilà, elle est trop belle. J'adore, vraiment, top. Et la dernière couleur. Alors, on voit la couleur, je suis choquée, enfin vraiment. Enfin bref. Ça teint 385 et c'est un bleu roi magnifique. Et on en parle aussi beaucoup sur YouTube. Donc vraiment, j'adore. Pour moi aussi, un indispensable, c'est le blanc. On en porte à chaque saison et c'est aussi blanc. Ça fait aussi un peu ressortir le bronzage, même si ça fait pas trop. Mais par exemple, quand on porte vraiment des couleurs flash,
voilà, pour faire ressortir la couleur justement, le blanc. Et moi c'est, voilà, un peu crade. Donc c'est le blanc blanc blanc, hein, vraiment, et c'est pas blanc cassé ou je sais pas trop quoi. C'est la teinte coco de chez Sephora, et vraiment trop belle, donc voilà. Pour moi, mon indispensable, c'est un mascara waterproof. Et le mascara waterproof, voilà. Mon mascara waterproof, c'est le The 1, 2, 3, The Colossal Go Extreme Volume Waterproof. Et donc, c'est le packaging jaune et bleu turquoise de chez Maybelline. Il est vraiment trop bien. Vu que je pars dans une semaine et demie en vacances, il m'en fallait un et c'était obligé. Et c'est obligé. Et si on n'a pas un mascara waterproof, c'est qu'on pourra rien porter. Enfin, le mascara vraiment c'est la base du maquillage, et puis voilà, quand on va se baigner, enfin, on va pas non plus mettre du mascara normal, puis après que ça coule tout. C'est ce que j'ai fait quand j'étais partie en Espagne, donc voilà, j'avais complètement zappé qu'il me fallait un mascara waterproof. Et donc celui-là, pour j'ai pas du tout la référence de la couleur, mais c'est la couleur black, c'est Mega Volume Brush Double Réservoir. Donc voilà, en fait ça se présente comme ça. Si on va voir quelque chose, voilà, le double réservoir c'est là. Et la brosse est démente. Je l'ai portée hier, mais le volume qu'il me donne, franchement pour un waterproof, je suis choquée. Il est vraiment génial, il coûte 8 euros. Pour 8 euros, franchement, les filles, c'est le top. Vraiment, je vous recommande à 1000%. Je l'ai testé hier. Après, il n'a pas bougé. Les cils sont restés comme je viens d'en mettre, en fait. Et ouais, c'est vrai que j'en ai gardé. Je l'ai porté au moins 6 heures, le truc, 6-7 heures. Il n'a pas du tout bougé et j'étais vraiment agréablement surprise et je l'adore. C'est vraiment un chouchou. Qui dit mer, qui dit piscine, tout ça, dit shampoing sec. Pour moi aussi, un shampoing sec, c'est important aussi. Bon, c'est vrai, ça n'a pas non plus d'un coup avoir les cheveux vraiment hyper... Mais voilà, au moins la racine ou même quand on sort, quand on n'a pas le temps de se laver, vite fait, voilà. C'est toujours, en fait je vous l'avais déjà présenté dans mes indispensables, donc je vais pas rester 3 ans dessus. Donc c'est le dernier ultra doux shampoing sec extrait de vanille, donc c'est pour les cheveux longs. Je sais qu'il a monoprix aussi, donc voilà, mais il y a plus simple, il y a Carrefour, enfin il y a les grandes surfaces, et il est deux fois moins cher que monoprix. Donc voilà, il est vraiment trop bien, donc voilà. Derniers indispensables pour moi, c'est tous les trois au Monoeil, et pour moi c'est très indispensable, c'est très bien, enfin c'est le top d'avoir. Alors j'ai d'abord celui-là où tout le monde en parle, j'ai enfin acheté, je l'avais déjà testé, donc voilà, c'est le Monoeil de Tahiti shampoing douche des Lagons de chez Yves Rocher. Tout le monde en parle sur YouTube, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, allez le prendre. Il coûte pas cher. En plus, en ce moment, il est soldé. Donc, au lieu de 3 euros, il est 1 euro. Vous pouvez en prendre une dizaine. Bon, moi, j'en ai pris un. C'est vrai qu'il se vide assez vite. Mais voilà. Je pense qu'il va me suffire pendant cet été. Je vais pas. Voilà. Il est vraiment génial. Surtout quand je vais aller m'exposer au soleil. Enfin, quand je vais aller à la plage, quoi. J'ai beaucoup utilisé celui-là. Je vais plus l'utiliser celui-là que. Mais l'odeur, oh là là. Dès que je l'ai acheté, j'ai fait que ça. D'ouvrir et de sentir. Il sent tellement bon, je trouve qu'il reste sur la peau. Le lendemain, je veux dire, il y a encore l'odeur. Donc bon, après, c'est vrai que ça reste pas non plus une éternité. Mais voilà, c'est déjà ça. Donc il est vraiment top. Et le deuxième, toujours en Monoeil, c'est... Voilà. C'est donc une... C'est quoi? Eau de toilette ou... Ouais, c'est... Non, eau de parfum, pardon. Eau de parfum. Au Monoeil de... Monoeil et Tiaré. De chez Réserve Naturelle. Là-bas, ils font des trucs de ouf. Et oulala, je l'ai acheté la semaine dernière. Il sent trop bon, mais mon œil de Thierry et mon œil de Tahiti, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment la même odeur. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il sent bon? Je suis obligée, c'est l'indispensable pour moi d'avoir cet été. Il sent trop bon, il sent trop bon. Je vous recommande à 1000%. Au moins, allez le sentir. Mais voilà, il coûte 5 euros, donc franchement, ça va. Et il vaut 30 ml. Et voilà, la taille est parfaite dans le sac. Voilà, et le dernier. C'est bien entendu Soleil des îles, on a énormément entendu parler. Donc c'est l'huile sèche, bronzage et protection Monoeil de Tahiti SPF 50. Voilà. Et donc c'est parfum des îles, donc UVB protection et UVA haute protection. Donc voilà. Et là, celles-ci elles sont trop bonnes. J'ai trop hâte en fait de la porter. Je vais pas trop ouvert. Mais... Oh putain, elles sont trop bonnes. Elle est parfaite. Alors en plus j'adore les huiles en fait. J'adore ça. On aurait même pas dû l'ouvrir comme ça, mais bon,
Pas grave. Elle fait 150 ml et je l'ai pris à Leclerc. Elle sent trop bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je vous ai vraiment présenté mes essentiels pour moi. C'est vrai que je ne vous ai pas tout montré. J'aurais dû vous montrer les trucs d'élèves, mais c'est pas grave, vous verrez. Donc voilà, ma vidéo à venir. Alors, les vidéos qui vont bientôt suivre, donc je ne sais pas du tout si je vais poster celle-ci avant mon haul sold. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas du tout quand cette vidéo va être postée en fait. Je ne sais pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai deux vidéos à poster. Enfin, déjà deux vidéos là que j'ai déjà tournées. Enfin, bref, je ne sais pas. Donc, en tout cas, les vidéos, je pense que je vais poster celle-ci dans, je pense, après ma vidéo haul sold. Enfin, bref, je verrai, je ne sais pas. Mais en fait, les prochaines vidéos à venir donc seront, vous savez, qu'est-ce que je prends en voyage, etc. Je vais vraiment tout vous présenter. Voilà, tout vous montrer, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu tout vous montrer, vraiment les indispensables, mais moi c'était mes grands indispensables, les c'est vraiment que j'en ai besoin, c'est indispensable, c'est vraiment les indispensables x10. Voilà, donc les prochaines vidéos, voilà, ce sera celle-ci et je crois que c'est tout, ou peut-être un make-up d'été, ce n'est pas sûr, mais en tout cas si vous voulez un tuto make-up spécial été, likez la vidéo et dites-le moi en commentaire, et puis n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, sur mon Twitter, et bah voilà, abonnez-vous, je vous fais d'énormes bisous et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.